Tabitha est une maman fière qui publie de temps en temps des photos de ses deux fils, Liam, 8 ans, et Adam, 5 ans, avec Hicham Ben Daou. La chanteuse de 36 ans, en contrepartie, est nettement plus discrète lorsqu'il est question de son mari, Hicham Ben Daou. Elle a même confié dans l'émission Must Célébrité sur M6 qu'il était son contraire. Le couple a fait preuve de sa plus grande discrétion le 1er février dernier en se présentant dans les stands du Parc des Princes pour participer à la rencontre PSG Montpellier. Tabitha et Hicham Ben Daou se sont mariés en 2010. J'ai des parents qui s'aiment et je pensais que c'était beau, c'était pareil dans ma tête, je voulais découvrir l'amour de ma vie, et bâtir ma vie. Ça m'a pris du temps pour le trouver mais quand je l'ai découvert, j'ai couru après, a dit l'interprète de A Fleur de Toi en 2014 dans l'émission Must Célébrité de M6. Selon elle, son mari Hicham Ben Daou est son opposé. C'est une personne très sûre d'elle, très tranquille, très calme, alors que j'étais une angoisse de base. C'est une personne qui m'a guéri du passé, de mes fautes, de mes points faibles, de tout ce qui pouvait me torturer, de mes erreurs de jeunesse que j'ai commises et qui m'ont fait mal, a-t-elle déclaré. La déclaration d'amour de Tabitha Hicham Ben Daou aux Victoires de la Musique. Six ans après cette affirmation, c'est sur la scène des Victoires de la Musique qu'elle avait clamé son affection pour son mari. Je voudrais dire à mon mari Hicham Ben Daou à quel point je l'aime, a-t-elle affirmé en recevant vendredi le prix de la chanson de l'année avec Slimane pour Ça va, ça vient. Je souhaite dire à mon mari merci pour ce que vous me procurez chaque jour, pour le soutien que vous me donnez parce que nous collaborons chaque jour et même si vous criez de temps en temps. Cette décision est la vôtre, a ajouté la commissaire en ce jour de la Saint-Valentin. Tabitha en couple, qui est son mari Hicham Ben Daou? Très secret, Hicham Ben Daou n'apparaît jamais publiquement à côté de sa femme ou sur les réseaux sociaux, ou uniquement de dos. Mais les deux aiment. Tabitha, ses émouvantes confidences sur son mari Hicham. À 30 ans, il est séduisant. Il a déjà des enfants, mais il est détaché de sa femme. Quand il m'a vu, j'ai vu Charlotte, note de la rédaction, son vrai nom, dans ses yeux, pas Tabitha. Mais qui est cet homme qui a su conquérir le cœur de Tabitha et lui a rendu sa confiance en l'amour? Dans une interview que Tabitha a donnée à Gala en 2017, la jeune chanteuse confie que son mari Hicham cela m'a perturbé car j'étais sentimentalement perdu, je ne savais plus à qui faire confiance, expliqua-t-elle à ce moment-là. Cela n'a pas arrêté Tabitha de tomber follement sous le charme de cet homme Hicham Ben Daou qui était si éloigné d'elle.
Hicham Ben Daou est très sûr de lui, très calme, très posé, alors que j'étais une angoisse de base. C'est quelqu'un qui m'a guéri du passé, de mes erreurs, de mes faiblesses, de tout ce qui pouvait me torturer, de mes erreurs de jeunesse que je pouvais faire et qui me faisaient mal. Dix ans après leur rencontre, Vita et Hicham sont toujours aussi amoureux.